Ça pourrait être le nom de la rose d'Umberto Eco. Pour la bonne raison que je l'ai traduit, ce qui m'en reste, c'est la construction. Ce qui m'en reste, c'est la richesse de l'histoire. Ce qui m'en reste, c'est une leçon immense de tolérance. Quand les politiques disent tolérance zéro, c'est une grosse erreur parce que c'est aller contre l'humanité. Être le plus humain possible, c'est être le plus tolérant possible, et on l'apprend en lisant le nom de la rose.